Voici Laetitia, une jument frison comme je les adore. Une pauvre jument frison qui toute sa vie a mis au monde des poulains et que 100 chevaux sur l'herbe a sauvé de l'abattoir. Car hélas, c'est le lot de beaucoup de ces juments qui chaque année doivent mettre au monde des petits et qu'on envoie ignominieusement à la boucherie. 100 chevaux sur l'herbe a été justement créé pour ces malheureux, pour les sauver. Nous l'avons racheté et pour leur donner ici du bonheur dans notre refuge. Laetitia a 24 ans. Elle est arrivée au refuge le 27 janvier 2007. Pour cette misérable, nous étions la seule bouée de sauvetage et nous ne pouvions que la libérer en la rachetant, 500 euros. Il ne pouvait être question de nous détourner et de laisser expédier cette condamnée au meurtrier sanguinaire des abattoirs. Laetitia a trouvé enfin la paix de l'âme et le bien-être de vivre, ici au refuge de 100 chevaux sur l'herbe. Cet adorable frison ne travaille plus comme une esclave et n'a plus de ventre creux. Elle n'est plus non plus la proie de la brutalité, du mépris et de la négligence coupable du fourbe qui l'a usée jusqu'à la corde et qui l'a trahie. 100 chevaux sur l'herbe l'a sauvée, recueillie, nourrie, soignée et surtout tourne toujours un regard plein de tendresse et d'amour vers cette jument victime de l'égoïsme et de la tromperie des hommes. Il y a parfois de belles choses qui se réalisent, et pour les chevaux condamnés, 100 chevaux sur l'herbe est certainement parmi les plus beaux contes de fées à narrer aux équidés tombant dans le commerce cruel de la boucherie chevaline. Laetitia est une de ces juments parmi les nombreux autres chevaux de 100 chevaux sur l'herbe qui méritent de vivre, qui méritent d'avoir une compensation à leur malheur de vie. Voilà pourquoi nous sommes là pour elle. Nous lui donnons le meilleur d'elle-même. Et n'oubliez pas, aidez-nous, soutenez-nous pour nous permettre de continuer à nous battre pour des chevaux comme Laetitia. Nous avons besoin de votre aide. Merci. Ça va, Laetitia, ça va. T'es une gentille. Voilà.